Le premier slalom de la Coupe du Monde de dames de ski alpin, la Française Laure Pequeño a offert la première victoire de sa carrière à Régine Cavagnou, décédée en octobre dernier lors de l'entraînement. En Autriche, celle de Laure Pequeño qui a remporté le slalom comptant pour la Coupe du Monde féminine de ski alpin devant la Suissesse Sonja Neff et la Suédoise Ylva Neuven. Pour la championne française, il va falloir vous habituer à ce sourire, à Laure Pequeño et son nouvel appétit de victoire. Deuxième manche ce matin, la Française partie dernière ne prend aucun risque sur la piste cabossée. Au final, elle conserve son avance de la première manche sur sa principale rivale, l'Américaine Kosnick.